Attention, l'épisode que vous allez voir est hautement dangereux pour votre santé mentale. C'est la warp zone la plus totale. À partir de maintenant, vous avez le choix. Soit vous éteignez votre vidéo, soit vous éteignez toutes vos fonctions cérébrales. Il ne se passe absolument rien. Ah putain. Vous n'avez rien vu. Vous n'allez rien voir. Fanta, t'es prêt? T'attrapes? Ouais, Bob! Bob! Attention! Lancez! Envoie! Ah, Chui! pas mal, tu nous as fait un tournilol. Voilà. Fais ce que j'ai pu avec ce que j'ai. Salut à tous, les amis. Nous jouons au Cube de Bouze. C'est un nouveau jeu que nous avons inventé. Nous avons inventé ce magnifique jeu. Et aujourd'hui, vous allez profiter de ce magnifique épisode n'importe nawak. C'est-à-dire, on fait complètement n'importe quoi. Vous nous avez mis la pression. Vous vouliez du contenu. Aujourd'hui, on s'amuse. Alors, sur une magnifique map, déjà, je suis en présence de Bob Lennon. Salut, Bob. Bonsoir, je suis Bob Lennon. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Cela dit, aujourd'hui, je m'amuse et j'avais prévu initialement d'envoyer Bot Lennon travailler à ma place. Bot Lennon? Oui, maître. Bonsoir, je suis Bob. Donc, c'est un échec. Tant pis, je vais travailler moi-même. Oh, miséricorde, il faudra que j'appelle SFR, Orange ou Nokia. Enfin bref, c'est pas important. Vas-y, balance ça. Tiens, donc Le cube de boue. voilà. Donc aujourd'hui, c'est le jeu du cube de bouse. Alors, on va vous faire un épisode où vous allez pouvoir nous regarder, nous échanger ce magnifique cube, à moins qu'on ait prévu autre chose, mon petit Bob. Exactement. Hein. De toute façon, c'est une intro qui m'a été inspirée par Magical Quest, hein, starring Mickey Mouse sur Super Nintendo, où au début, on voit Donald et Mickey se lancer la balle. Dingo et Mickey se lançaient la balle. Donald ne sert à rien sur cette intro, vous avez qu'à vérifier. Tiens, regarde, coup, avec voilà. le sprint. Avec le sprint. Un slam dunk. C'est pas passé. D'accord. Ah si, elle est passée, sublime. Bon, en tout cas, je vois une cabine téléphonique ou un truc qui est censé y ressembler. Sans doute une référence à Doctor Who. Enfin, oh mon dieu, c'est merveilleux. Être aveugle pour pas s'en apercevoir et... Et je vous rappelle que le dernier épisode de la saison est sorti. Et maintenant, il va nous falloir attendre Noël. Voilà. Oh bordel de merde, j'y vois absolument plus rien. Alors, pour information, mon petit Bob, je t'ai invité dans une map aventure qu'on va pas aventurer du tout. Enfin, on va voir ce qu'elle nous propose. Ça s'appelle Orgelmir, le Giant, The Solemn Giant, donc le géant solennel. C'est très poétique tout ça. C'est très la classe. Par contre, on n'y voit que Pouic. Ouais, bah, c'est pas grave. Moi, j'y vois bien. J'ai un minecart, je m'en fous. Je le place. Place-le et appuie sur le bouton. Monte dedans. Ah non, toi d'abord, monte dedans, je me démerderai. Non, mais il y a un bouton, et après tu démarres okay. Quand t'es dedans. Push button. Il est où le button? Il est le button. Boum. Allez, c'est parti. Oui. Par contre, c'est très impressionnant, hein, les torches redstone, les torches normales. Oh purée, c'est très Indiana Jones. Grosse connerie. Évidemment, j'ai envoyé le minecart tout seul, parce que pourquoi... Mais oui, mais talentueux, Fanta. Talent, utile, formidable. C'est ça. Et regarde, je te lâche même le cube de boue sur la route. Tu le récupéreras comme ça au passage. Yeah. Et c'est parti dans les méandres du... Comment tu dis ça? L'utérus de la Schtroumpfette. Oh non, Fanta, non. Ça sent le gargamel. Donc si vous n'avez pas vu notre best-of, je vous le conseille, les amis, parce que quand même, hein, c'est quand même épique. Ah, je retombe sur... L'utérus de la Schtroumpfette, il concerne que Gargamoul. Voilà, comme ça, au moins, ça s'est dit. Ah, purée, j'ai vu un Bob. Exactement, t'as vu, ça fout les boules. Hein. Ouais. C'est quand même bien foutu cet effet de particules qu'ils ont rajouté quand t'es dans les ténèbres. Ah oui, j'avais jamais fait attention. Tadam ! Et nous voici donc dans la map Kokiri. Non, je déconne, c'est Orgelmir, le solemn giant, le géant solennel. Voilà. Ouais. Eh, dis-moi, t'as pas beaucoup de brouillard. Oula, un creeper. Ah oui, bah tiens, attends, on le punch. Attention, allez, tu me l'envoies, je te l'envoie. Oh, d'accord. Il y a du matos. Moi, je... Ah, c'est joli. Alors j'annonce, cher public, c'est une map magnifique. Regarde, derrière, il y a une espèce d'arbre mana. Regarde oh ça. Mon Dieu. Bam. Arbre mana, cascade, colonne. Enfin, c'est la full gloire la plus totale. Et j'ai envie de dire, on va pas la visiter. On va pas aller visiter, on va se balader, promener, on va faire absolument n'importe quoi parce que, cher public, vous êtes adorables, vous êtes des gens formidables, vous êtes vraiment vous nous suivez, et on vous aime parce que vous êtes sensationnels, tous autant que vous êtes, mais vous nous avez tellement fait chier pour le troisième épisode de Décube qu'on prépare, hein, vous allez me donner le temps, oui ou merde, ça vient pas comme ça, que j'ai décidé de détruire la moitié de cette map, de récupérer les ressources et de construire une maison à la con, comme ça au moins vous pourrez passer un temps. Une maison de bouse. Exactement, la cabane au fond du jardin. Vas-y, commence la à détruire. La cabane au fond du jardin.
Exactement, c'est pour ça. D'ailleurs, on va commencer. Alors, attends, là, je dis une Ah, moi, bonne je vais quand blague. même visiter un petit peu pendant que tu récoltes Allez, quelques vas-y, bouses. C'est ce que j'aimerais bien trouver, c'est un petit champignon. Oh, un Enderman, t'en avais déjà vu, toi, Bob? Oui, j'en avais déjà vu un. Est-ce qu'ils sont toujours agressifs maintenant? Il faut pas les regarder, tu sais, c'est comme dans Doctor Who, justement. Oui, Faut pas je que tu les sais, fixes avec ton. je sais, mais still, c'est moi, ils me font peur, perso. J'ai pas réussi à m'en Moi, j'aime débarrasser bien, là. moi, j'aime bien. J'en ai vu deux et ils m'avaient tué, moi. Donc, je me permets. Alors, attends, les préparatifs Ah, sont terminés. zombie! Mais qu'est-ce qu'ils font en plein jour, les zombies? Je sais pas, c'est les ténèbres. Les préparatifs sont terminés. Il me faut un bouton ou un levier. Ouh, un creeper. Tiens, tu tombes bien, toi. Si tu pouvais exploser et déclencher toute Bon, la. voilà. Excellent, je crois que ça a marché. Oh, Ça a marché? Non, sympa. ça a pas. Non, j'en sais rien. J'essaye de survivre. Ah. Oui, Voilà. il y a déjà deux trous dans le sol. En fait, il y a des mob spawners. Alors, notre petite cabane au fond du jardin, ça sera pas très facile pour la faire. La cabane du jardin. Je vais couvrir ça. Et bien sûr, je retourne filmer la magnificence de Bob dans un instant. Ah, des leviers, c'est ce que je cherchais. Ah oui, parce qu'en fait, c'est un puzzle, une puzzle map. Hein. Normalement, vous pourrez trouver. Il y a des trucs à faire. Voilà. Ah ouais, c'est ça. Et on était parti pour faire les trucs et tout, pour ta machin, c'est tout. Sauf que, quand est-ce que tu sors des cubes saison 3? Quand est-ce que tu sors saison 3? C'est juste des cubes saison 3, elle sortira en DVD, hein, pour la peine. Voilà. Le gars, tu Pas sais. mal, pas mal, Bob. Tu fais des progrès. Regarde ça. Attends, éloigne-toi, Fanta. Ouh. J'ai prévu de Ah, récolter des super. ressources à ma manière. C'est parti. Ouah, cours, 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 cours. Ah non. Ok, c'est bon. Toute l'explosion était Ah, structurée, tout était bien. prévu. Et normalement, on va pouvoir récolter les ressources. Ça va plus vite comme ça. Ouais, c'est Ah cool. ouais, regarde ça. Regarde ça. Oh, nom nom, les bonnes ressources. J'en ai détruit la moitié, mais qu'est-ce Moi, qu'on je te s'en laisse fout? construire la maison en bouse. Exactement. Hein. Tu vas m'aider à la construire cette Ah, maison. Ouais, purée. non, tu vas prendre des bois et tu vas m'aider à faire une maison, tiens, pour la peine. Hop. Tiens. L'autre, Tiens. il Ah. ne veut pas construire. Non, mais c'est l'habitude de Daycube, hein. Il faut bien qu'il y en ait un qui filme et l'autre qui bosse. Rien du tout, tu vas bosser ce coup-ci. Récupère du bois et pète-leur la. Ouah, qu'est-ce que c'est que toute cette toile d'araignée là-bas? Ah, Ah, c'est d'accord, pour viens faire voir. l'effet chute d'eau. C'est Ouais, c'est super. super bien fait. D'ailleurs, il y a le brouillard. Tu remarques que le brouillard donne un Eh, hey, magnifique effet. regarde par là-bas. Ah, purée. Attends, Attends, je me on suis se le fait fait, par un lui. squelette. Bon, on se le fait. Ah, Voilà. vas-y, pète-lui la gueule. Avec une bûche, parce qu'on est vachement bien équipé. Oh, exactement. Alors, et on Par va contre, il va nous commencer. falloir à bouffer. Ah non, bah non, tu t'inquiètes trop, Fanta. On va commencer une petite maison. Non, pas du tout, il nous en faut vraiment. Alors moi, pendant que... Comment je Eh vais ben, je faire? propose une maison en rondin, hein, parce que pour la peine. Eh, c'est normal ce brouillard un peu bizarre des fois. Sept. Oui, c'est Oh, normal. c'est vachement beau, T'inquiète. Bob. Hein. Pendant que tu es en train de faire ta maison pourrie, moi je visite un peu. Oui, mais tu vas dans les ténèbres et puis c'est tout. Eh, je vais bouffer de la viande de zombie, tiens, ça va me changer. Hop. Coupidoupidou, coupidou. Empoisonnement Coupidoupidou. consenti. Ah! Putain, creeper! Ça va pas, non? Oh, c'est beau. Coupidou. C'est beau. Je vous la conseille, hein, la map. Hein. Si vous voulez aller. Oh là 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 là. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Coupidou. 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 Moi, je suis en train de lentement de retrouver de la vie. Toi, ça va, ta vie? Bob Lennon qui chante, qui fait n'importe Ah, c'est quoi. sympa ton. Tu fais Bob un. Lennon dans les cordes. D'accord. Tu crois que je peux monter? Ah, il y a un café. Ah, il y a un gâteau aussi. Oh, prends-le. Ça se prend pas, ça se bouffe. Si? Mange-le. Ça va, moi je suis full en life, j'ai mangé du zombie. Ah bon? Mais ça t'empoisonne pas? En fait, oui, ça t'empoisonne, en fait, ça t'empêche de bouffer, mais. Ah, il y a des cookies, ça va nous servir. Tiens. Oh, la nuit tombe, Et il y a hein? des pelles et des pioches et des épées, t'en veux? Je prends tout. Et il y a Prends des tout. torches aussi. Prends tout. On a décidé, hein, c'était ça. On était parti pour la faire professionnelle, se dire, allez, on fait la map proprement. File-moi des haches, si surtout, si tu as. Tiens, hache? Tiens, Une en bois. hache. Elle est en bois? Oh putain, c'est chippos. C'est chippos. C'est chippos. Il n'y a pas de cailloux ici. Si, c'est bon, je vois du caillou. Tac, tac, tac.
Et j'ai décidé de faire une petite maison en, en bouse. Alors moi, je prends une... si c'est en bouse, ouais. Je prends une pelle. Non, non, pas en bouse, pas en bouse. Au moins en bois, au moins en bûche. Je peux pas me permettre de faire une maison en bouse. C'est une image à... Ah d'accord. À... Mais moi, quand tu m'as dit on va faire une maison en bouse... Ouais, mais en bouse, je veux dire à l'arrache, c'est ça en fait que je voulais dire. D'accord. C'est pas... Ah, on l'a fait en bouse. Non, par contre, tu veux... si tu veux bien creuser des tranchées tout autour, moi je suis pour. Hein. Je... Pourquoi faire pour éviter que des creepers à la con viennent et réduisent mon travail en cendres. Ouais. Par contre, on n'évitera pas les araignées. Hein. Ouais, mais on les évitera pas, les araignées, mais on leur pètera la gueule. Est-ce que les araignées peuvent péter nos murs? Bon, voilà, c'est bien ce que je pensais. Alors, est-ce que le feu marche sur ce serveur? Aucune idée, je pense que oui. Hein. Pardon. Donc, j'étais complètement oublié. Le pyromane. Ah tiens d'ailleurs, il y en a qui t'ont trouvé un autre nom. Je pense qu'il faudrait quand même qu'on veille à se protéger. Alors ceci n'est pas une aventure suivie, hein, c'est bien de la visite de map, sauf qu'aujourd'hui on s'en fout. Voilà, voilà, c'est, on fera une visite propre de cette map plus tard, dans un second épisode peut-être. Ouais, probablement pas. Oh, ou pas, ouais, c'est pas grave. On a décidé de pas se faire chier aujourd'hui. Hein. D'habitude, on essaie de se creuser la tête pour donner du contenu digne de ce nom. On essaie de faire des petits effets dans les vidéos. Trop de pression. C'est pour ça. Mais là, aujourd'hui, non. Aujourd'hui, repos. Merde. Hein. Voilà. Puis vous aurez la saison 3 de Décube bientôt. Vous aurez une super saison qui va tout déchirer. Vous la suivrez. On fera une aventure suivie. On fera quelque chose, j'en sais rien. Mais là, pour l'instant, branlette. Voilà, oh. C'est dit. Oh mon Dieu. Tu as heurté ma sensibilité. J'ai heurté ta sensibilité, c'est ça, sensibilité. T'en foutrais. T'as une araignée au fil. Ouais, en fait, j'essaye de l'éviter depuis tout à l'heure. Tiens, je l'envoie sur toi. Protège-moi, Bob. Ah bon? Je m'en suis débarrassé. Ah, il y a un zonzon là-bas. Au niveau bouffe, ça va, toi? Oui, non, j'ai faim, j'ai froid, j'ai plus de vie. Pour moi, c'est l'apocalypse. Oh, un cookie. Ah, nam, le banc, ok. Ah, c'est cool. Nam, le banc cookie des ténèbres. Une superbe map. Hein. Pum. T'as vu les lianes, comment ils ont fait descendre ça? Ouais. Et là-bas, il y a un moulin dans le flanc de forêt et tout. Ah, j'aurais bien quand même essayé de monter un peu. Vas-y, monte. Hop. Je viendrai voir ta maison en bouse. Hein. Oui, bah oui, si tu veux. Tu passes quand tu veux, écoute. Ah, j'aime. Sympa. Comment on fait les demi-vitres? Les glass panes. C'est comme une porte en verre. Putain, mais ça coûte cher du coup. C'est du verre ou pas? Tu as du. Non, j'ai pas de verre du tout, j'ai pas de sable. C'est bizarre. Ah ouais, tu vas pas pouvoir le faire. Non, ça coûte pas, c'est pas très cher parce qu'ils t'en fournissent un paquet. Après, l'utilité est relativement variable. Oui, mais ça peut faire des vitres, moi c'était pour ça. Ah, alors là, ça c'est le fail. Je me laisse taper pendant que je mets mon épée. Ah, je suis mort. Classique. Ce qui m'intéresserait que tu fasses, c'est d'explorer les espèces de testy boules qu'on a au-dessus de la tête là. Ben, j'étais parti pour en fait, mais j'ai croisé le chemin d'un zombie qui a décidé de pas me laisser faire. Ah, c'est malin ça, Fanta. T'as fait une tranchée devant la maison, je peux plus sortir. Voilà. Bah, saute, feignasse. Intelligent comme comportement. Et plouf. Ah, là. Ah, décidément, il y a des journées comme ça, tout se passe bien. Ouais, carrément. Ah là là. Épisode peinard, hein, comme je disais, cher public. Non mais voilà, hein, c'est épisode art et déco aujourd'hui. Hein. Tu peux te taper sur moi à la rigueur. C'est pas comment ça s'appelle. C'est pas Cuisine TV, mais c'est... regardons l'herbe poussée avec Bob Lennon. Voilà. Regardons la peinture séchée avec The Fantasio 964. Par contre, il faudrait qu'on fasse une petite seconde pour les réveiller. T'es motivé là? Bon, une petite seconde pour la réveiller, c'est-à-dire. Debout, feignant, machin. C'est pas le moment de dormir, putain, vous regardez un fantôme show. Je vais voir votre putain de gueule levée, habillée, peignée et douchée en face de moi dans les 25 secondes qui viennent, ou je vous arrache la gueule. Chef, oui, gueule chef. Et je vous fais monter vos orteils. Voilà, c'est dit. Et je reste poli en plus. Soldat baleine. Soldat baleine.
Soldat Palen, cette dépréciation qui s'inflige, le pauvre Panta. Ouais, oh, je te permets pas. Et hop, un petit coup de poignard dans le dos, parce qu'on se connaît depuis longtemps, maintenant on peut y aller. Cette structure m'énerve, je vais y mettre le feu bientôt. Ouais, mais je veux être témoin. Ah bah voilà. Oui, mais si tu veux. J'ai laissé mes affaires pas loin. Je ne me laisserai pas faire par le zombie. Hop, dérapage contrôlé, je reviens en arrière. Ouh! Ah bah non, je croyais que tu nous avais fait un beau quelque chose, mais en fait, t'as bien griffé surtout. Oui, bah oui, je griffe, oui. Ah d'accord. Oui. Je suis comme ça, moi. Au niveau de la fin, ça va? Oui, complètement. Au début aussi, je dirais. Oui. Notre humour s'améliore de jour en jour, les amis. Ouais, c'est la misère, cher public. Et après cette vidéo, Fanta il va me regarder et il fait non, mais on peut pas leur mettre ça. On peut pas leur mettre ça. Le contenu il est pas bon là, Bob. On a fait de la merde, Bob. C'est pas légal ça, Bob. Si on leur met ça, ils vont brûler le Facebook, ils vont brûler la maison, ils vont nous retrouver, ils vont nous manger tout. C'est pas possible. Regarde, le public demande de la qualité, fait. Bob. Ah, du tout. Si on leur donne rien du tout, le public nous chiera dessus. Alors tant qu'à faire, il prendra ce qu'il a, il sera content. C'est comme la cantine, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Voilà. Il y a surtout des gens sans quand même. Oui, c'est vrai. Il y a enfin, moi, ça va, j'en suis loin, mais la cantine, c'était les bons souvenirs, hein, les bons épinards à la crème et la semelle de langue de bœuf. La semelle de langue de bœuf, bah, c'est comme de la langue de bœuf, sauf qu'en fait, c'est un goût de semelle. Enfin, je sais pas si t'as connu. Moi, j'ai connu. L'enfance de The Fantasio. Fantasio, alias Gabi, pour les intimes, est né sur une petite île de la Réunion. Son enfance était principalement parsemée de semelles de langue de bœuf. Semelles de bœuf. Et le gars, il parle avec la petite musique triste, tu sais. Oh, misère. Et en fait, il y a un petit côté parcours. Hein. Là, je suis en train d'essayer de jongler avec les échelles. Ah. Je vais probablement me vautrer. Ouais, carrément. Moi, je décupe plus rien du tout, là. C'est juste... Bah, rejoins-moi. J'ai envie de dire, attends. Attends, je mets des... Ah, bon, ça va, tu nous as fait une bonne petite maisonnette. Une maisonnette, hein. La maisonnette, hein. Ça, il faudrait l'agrandir, en fait. Faire un duplex. Sympa, cette map. Avec un petit dôme, là. A priori, il y a une quête à réussir, hein. Il y a une quête, les mecs. A priori, peut-être, voilà. On a décidé de se la jouer Animal Crossing, voilà. En théorie, il y a peut-être une quête, quelque chose, sauf qu'on lui chie dessus. Voilà, Moi, je mets un casque parce que normalement, je ne devrais pas survivre. Tu sais que j'avais des lits pour faire passer la nuit, si ça t'intéresse. Ah oui, je prends. D'ailleurs, tu pilles les maisons, j'espère. Ah, j'ai trouvé un chemin vers l'intérieur du... Il y a un arbre. L'arbre, il est creux. Pille, je veux pas le savoir. Ah, c'est beau, Bob. C'est super, ça devrait te plaire. Pille tout. Voilà. Oh, je suis mort. Ah non, purée. Bientôt. Oh le sac! Oh le sac! Ah, ah. Oh purée, le miracle! C'est l'histoire de la vie! On sert à rien. C'est bon, j'ai fait une porte! Si, parce que moi, pendant que tu sers à rien, moi je fais des trucs super. Je vous montre l'intérieur de ce magnifique rien, arbre. Je sers à rien. C'est toi qui sers à rien. Je te mets un sac, moi, oui. D'ailleurs, tu embrasseras Poupette pour moi. Oui, au fait, oui, Poupette. Parce qu'elle est sur mes genoux. Oh. J'ai dit qu'elle est adorable. Attends, excuse-moi. Poupette, il va falloir que tu te pousses. Je vais devoir me resservir un verre. Un verre de coca. Oh, elle me lèche la main. Tant que c'est la main, ça va. T'es adorable, ma poupette. Oui, t'es une bonne poupette. Voilà, donc Bob Lennon, dans toute sa splendeur. T'es adorable, ma poupette, t'es adorable. Voilà, c'est dit. Je suis complètement gâteux pour ma chatonne. Hein. Je suis complètement désolé, mais j'ai envie de Bob aime sa chatte. Voilà. Exactement. Voilà, c'est dans l'ordre. Et moi, je l'admets. Hein. Comme ça, c'est dit. Voilà. Bon, je vais commencer. Oh, un Enderman. Oh. Est-ce qu'on peut les buter? Oui, tu peux, bien sûr. Ils deviendront agressifs. Hein. Oui, bah oui, forcément. Est-ce qu'ils ne seront pas agressifs si je les regarde de près? Putain, mais si tu ne mets pas ton curseur sur leur tête, normalement, ils devraient te laisser tranquille. Non, le squelette, il m'a vu. N'empêche, il y a un sacré parcours à faire, les amis, si vous voulez vous taper l'intérieur de l'arbre. Vous trouverez la map en téléchargement dans le descriptif de l'épisode, ainsi que le pack de textures qui s'appelle Clean Craft. Oh yeah, technique secrète, F3 pour voir les...
les noms des mobs au-dessus. Vision, oh, beau, smart vision beaucoup, à la DUCX. T'as vu comment ils ont mis de la mossy cobble sur le bord pour faire un petit peu plus de nature. Oui. Mais ils ont vraiment géré. Hein. Ils ont géré partout sur cette map. C'est juste assez obscène, j'ai envie de dire. J'aurais pas eu la satisfaction d'aller dans une de ces sphères. Si, ça se fait. Regarde ça. Tac, tac, je me fais une épée en acier. Ah, t'as déjà t'as de l'acier, toi ? Oui, madame. Il y a ma kaki. Ah, presque. Un zombie et un cochon. Le cochon m'a lâché du stuff. Et le creeper va péter loin de moi, super. Pourquoi Pardon, je t'ai donné un coup d'épée. J'ai cru que t'étais un mob, j'ai cogné, j'ai pas réfléchi. Alors par où on monte du coup ? Aïe, aïe, aïe. Ouais, je me suis trompé, désolé, t'étais trop brillant. Salaud. Et ta maison, elle est où alors, le truc que tu nous as fabriqué là, que juste devant le cratère, là, en face de toi, ça doit être un gros cube qui ressemble à rien. Ok. Bon, maintenant, plus la peine de poser la question. Des cubes saison 3, c'est fait. Voilà, c'est... The Sacred Chalice of Air Mod. This is the representative model only. Ouais, ben bah, il est en or massif, le machin, je le pète. À moi. Ah, attends. Merde, il me faut une pioche en acier. Merde. Qu'est-ce qui se passe? Bah, j'ai trouvé un musée. Et dedans, il y a le représentatif calice de Hermod, ou de Hermione, enfin, j'ai pas bien tout capté, mais c'est de l'or, pur. Je veux pas le savoir. Donc je vais faire mon bon Indiana Jones, c'est-à-dire je vais piller des trucs complètement antiques qui appartiennent au patrimoine du pays concerné, hein, et je vais les prendre pour mon compte et les revendre au marché noir. Voilà. On reconnaît bravo Indiana Jones, bravo Lara Croft, voilà, c'est bien. Non, mais je veux dire, voilà. Ça d'ailleurs, le prochain, il va déchirer sa maman. Lara Croft Passion of the Christ ? Non, c'est pas vrai. Ils ont osé appeler ça comme ça ? Non, c'est Lara Croft, la passion du Christ. C'est parce qu'elle s'en prend tellement dans la gueule dans la cinématique. Ah, d'accord. Non, mais même Nathan Drake, il s'en prend pas autant dans la mouille, j'ai envie de dire. Hein. C'est Nathan le côté... Drake, ça, il lui arrive des tuiles, ok, mais l'autre, elle tombe d'un avion, elle se pète les côtes, elle se fait planter, elle voit du secours qui arrive, mais c'est pas du secours, c'est des violeurs cocaïnomanes papouasiens cannibales. Tu sais, tu dis putain, mais... Il faut que j'achète ce jeu. Ah, c'est le mot papouasien qui t'a excité. Ah, sûrement. Où c'est que tu veux ? Hop là, ça passe, c'est du parcours, mais... Ah ! Aïe, douleur. Sache t'épée. Alors, The Fantasio. La 7-4, Bob Lennon. Dit le fourbe. Voilà. Ah, pas mal, hein. T'as vu l'intérieur, hein ? Ouais, il est beau l'intérieur. Ça brûlerait bien, hein. Ouais, carrément. Allez, vas-y, on va finir en beauté. Non, pas tout de suite. Pas tout de suite. D'abord, je leur montre le dernier modèle de D-Cube. Oh putain, pourquoi je suis tombé ? Parce que t'es un sac. Voilà, je sais même pas ce que ça veut dire. Il paraît que c'est une expression de certains gamers, non ? Oui, exactement. C'est notamment une expression de Ken Bogard. Voilà. Bisous Ken, que je connais pas, mais que je sais que Bob t'adore. Donc... Un sac, c'est être la dernière des quiches, en fait. D'accord. En Est-ce que t'as un peu de bouffe ? Oui, tiens. On a raté. C'est une poche. Merci. Où est-ce que t'as trouvé autant de coups ? Il y avait un petit coffre. Attention, Mr. Creeper. Ah ! Vers moi, merci. Ouais, mais attends. Ouh, regarde, c'est creux en dessous. Ah oui, mais ça amène au bas de l'arbre. Bon. J'ai une stratégie alternative. Tu m'attends ici ? Bah, je pensais à un briquet. Non, il y a un puits de lave là-bas, de la lave, ça suffit. Ah, d'accord. Ok, j'ai trouvé mon passage vers la rédemption. La technique secrète, Fanta, du cube de Booze. Escalation en... Je sais que c'est escalade, mais... Quand je le fais d'une manière aussi épique, j'appelle ça de l'escalation. Oh, ça passe tout seul. Regarde ça, bam, bam, bam. Donc, les amis, ce n'est pas de l'escalation, c'est de l'escalation. Oh, voilà. ça va faire un malheur, ça, je sens. Nouveau sport, l'escalation. Putain, ils sont mal barrés dans les cours d'école. Avec... Ah, c'est clair. Enfin, les profs. L'escalationné. C'est demain, en cours. Voilà, le TP.
Voilà, et tu vois que le trou il est à gauche en fait, tu fais gaffe. L'œil du tigre, the eye of the tiger. Sky High Café. Le café est très élevé dans le ciel. Putain, oh, c'est beau. C'est beau. The Mars Bar. Tranquille. Un évier. Ouais, très classique finalement, hein, j'ai envie de dire. Autant l'infrastructure est très 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 impressionnante, autant la décoration intérieure est pas. Parachute available at bar. Ça existe les parachutes ? Non. Alors, moi je te propose de terminer cet épisode sur un. Sur, j'ai trouvé un diamant. Un quoi ? Et une épée. Un diamant et une épée. Tiens, prends l'épée. Et puis, pardon. Hop. Moi je propose, oui, de terminer cet épisode, de tout cramer, de toute façon. C'est pas. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. De toute façon, ça fait longtemps que j'ai pas brûlé quelque chose. Ça manque aux joueurs, c'est peinard. Comme j'ai dit aujourd'hui, c'est touchette. Si jamais dans les commentaires, je vois « Ouais, vous avez pas fait votre travail professionnellement. » On s'en fout, on n'est pas des pros. Vous avez pas été complètement complet sur la documentation, la map. On sait pas qui c'est qui l'a faite, combien d'heures elle a prise, les gens, machin. Ma réponse est... Je sais pas si je le dis. Ouais, vas-y, on s'en fout. Non, c'est, vas-y. Mes appareils génitaux en contact avec vos orifices oraux. Voilà, c'est dit. C'est tellement bien dit. L'échage de testicules. Non. Ah non, c'est mes testicules sur ton front. Voilà, c'est dit. Oh, regarde ce que j'ai trouvé, Fanta. Téléporte-toi, c'est sûr, on est tout en haut de l'arbre. Si on lâche de la lave ici, est-ce qu'elle tombe à la finie, selon toi ? J'en sais rien. Ça devrait marcher. J'ai un briquet, moi. Ah ouais, non, mais il faudrait de... Ah, place each gem on the corresponding altars and push level up. Oh, d'accord, il faut poser, en fait, les... Ah, c'est ça, en fait, la map aventure. Il faut trouver les super gemmes qui détruisent... Tu sais, l'œil de tigre, la rhodondite, le quartz, l'améthyste, tout ça. Ah, elle est montée. Et il faut les poser tout en haut, il faut activer le machin. Et théoriquement, ça fait quelque chose. Moi je sais ce que ça fait. Ah oui. Enfin, et vas-y, ça fait quoi ? Ça fait, bouge pas. Mais attends, mais le fait, je sais pas où t'es. Je sais pas, mais moi je sais ce que ça attends, fait. Attends, je vais me TP. Ça active des robots formidables qui viendront tuer toute forme d'humanité sur Terre. Voilà, comme ça, tu vois. Voilà. C'est la nouvelle voix de Bob Lennon. En fait, il a changé de micro, il s'amuse comme un petit fou. Oui, mais je m'amuse avec ça, c'est con. Tu m'avais pas dit que t'avais le vert Lennon aussi ? Oui, le Worms Lennon. Le Worms Lennon, ça peut être sympa. C'est. Attends, qu'est-ce qu'il disait, le Worms Lennon ? Je te ferai la peau. Ah et oui. Toi, ma bite sur ton front. Enfin, ça peut passer vachement bien, je trouve. Hein. Il y aurait peut-être moyen de faire une voix pour Worms. Je sais pas, un dernier carrément. Des Worms, si jamais ça autorise le customing. T'as vu voix. Comment ils sont servis des toiles d'araignée pour faire des nuages ? Attends, 10 ou 11. Hein, tu l'as 10. Vu ? Tu as vu, Bob. Bon. J'ai vu. C'est beau, Bob. Dis-le, c'est beau. Hein ? Ah ouais. C'est très beau, c'est formidable. Slash God mode maintenant, Fanta. Moi, j'étais pour augmenter les leviers, même si on n'a pas fait. Ah, vas-y, monte le levier. C'est fait. Alors ? Je sais pas. Il y a quelque chose en dessous de ces trucs. Il n'y a rien en plus. C'est juste scripté à mort. Qu'est-ce que j'ai fait ? J'en sais rien. Bon, moi, en tout cas, je sais comment il fonctionne, le calice de je sais pas machin chose. Je vais te dire. Ah, il y a une porte qui s'ouvre. Il y a plein de gâteaux dans le. Voilà, le calice de machin chose, il fonctionne. Il y a un truc qui s'est ouvert. C'est un piston. Avec de la redstone. Oups, je brûle. Je vais mourir. Le pyromane peut-il brûler ? Tiens, attrape la lave avant que je crève. Voilà. C'est bon. T'as tout. Attends, slash TP. Est-ce que tu veux pas que ce soit. Ouh, ah oui, d'accord. Tadam, je suis sur toi. Alors, ah, tu vois, regarde. C'était ça en fait. Tu as déclenché le courroux du calice ultime. C'était quoi, c'est... Ah oui, c'était dans Aladdin. Dans Aladdin que ça fait... Infidèle. C'est ça. Ça fait les profaner le tombeau. Exactement, j'adore ça fait ce dessin animé. Ah, c'est sublime. Oui, c'est lui, le prince Poblenon. Je veux à ne plus revoir la lumière. Ah, je vous prosternez, vous soyez ravis. Question par contre, pourquoi ça brûle pas ? C'est pas de l'herbe ça ? Enfin, les feuilles d'arbre ça brûle pas normalement ? Aucune idée. On va tester. Je crois que ça marche un peu là.
Non, si, peut-être. Enfin, moi, je propose. Est-ce que tu reveux de la lave? Ah, c'est moi qui prends feu. On fait n'importe quoi, cher public. Voilà. Éjecté du serveur, je sais pas toi. Ah bon? Oh, je suis en train de tomber dans les particules. Je suis dans Star Trek. Oh, il passe en hyperespace. Sur une dernière image, regarde. Ouais. Je sais, mais ce qu'il y a, c'est que j'y arriverai peut-être pas. Alors, les amis, je vous explique le problème. Le problème, c'est que le serveur est complètement overloaded hein, par la lave que Bob habite partout. Tiens, 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 on se demande à qui ça peut bien être la faute. Voilà. Et moi, je suis toujours dessus et ça brûle, les gens, ça brûle. Ouais, mais ça sert à rien. Ça sert à rien. Dans les ténèbres. Oh, oui, mais putain. L'arbre est en train de fondre. Il est en train de fondre, mais je te jure, Aladdin style, comme quand Apu il repose le diamant il fond, quoi. C'est vraiment pareil. Et moi j'ai 2 FPS. Alors je sais même pas si ça sera possible de tourner. Bob, je te propose. Essaye de téléporter sur moi. J'ai une belle cascade là. J'ai une belle image. Ouais, pour finir. Avant de crever. La. 974. Bob Lennon. Est-ce que on pourra terminer cet épisode aussi pourri qu'on l'a commencé? Voilà, bah non, connection lost. Alors, je vais quand même vous laisser sur une jolie image. Bon, ça sera celle de mon photo d'aventure. Malheureusement, si Bob, tu peux me prendre un petit screenshot. Le slash spawn, ça marche pas. Non, un screenshot, tu peux faire un screen. Ouais, mais. De la lave. L'arbre a pas complètement popé pour moi. D'accord, on s'en fout, ça sera toujours ça. Les amis, merci de nous avoir suivis sur une aventure complètement improvisée de la mort qui tue, comme d'habitude. Je te remercie, non, Bob. Le terme Panta, c'est complètement improbable. C'est clair. Donc voilà, merci d'avoir perdu votre temps avec nous. Et puis, à bientôt pour un prochain Fantabomb Show où on trouvera encore d'autres choses complètement délirantes à faire en votre compagnie, que dis-je. Un Fantadventure et pourquoi pas un Décube 3 quand Bob aura pris suffisamment de Red Bull. Voilà. Pas de souci. Eh bien, écoutez, en termes de boules, je suis bien placé, hein, j'ai envie de dire. Il n'y a absolument aucun souci. Il me faut juste plus de raids et on devrait être bon. Eh bien, écoutez, cher public, j'arrive même plus. J'arrive même plus à finir cette émission. J'arrive mais non, même plus à mais dire y a pas, nos cerveaux ont bugué, le serveur a bugué, tout a bugué. À bientôt, à très bientôt. C'est super. À très bientôt. D'ailleurs, j'ai envie de finir sur un écran bleu. Voilà, écran bleu. J'ai pu revenir sur le serveur pour... Communication error, j'arrive pas à revenir, moi. Voilà, c'est ça. C'est qu'en gros, ce que Bob vient de faire, faut pas le faire. C'est-à-dire saut de lave à volonté, quoi. Hein, ah oui, le pyromane, faut pas le faire. Le pyromane, c'est dangereux de foutre le feu aux grosses forêts. Sinon, ça fait tout planter. Ah, c'est clair.